Freud dit dans le livre Pourquoi la guerre, l'être animé, protégé, pour aussi dire sa propre existence, en détruisant l'élément étranger. Lacan évoque d'ailleurs le paradoxe suivant. Plus d'universalité amène à plus de ségrégation. Donc cette conférence est organisée par Encuentro Rencontre et l'Association Genevoise des Psychologues. Donc le deuxième objectif, c'est partager des expériences, échanger. Il s'est adressé à des politiciens genevoises, puis aussi des personnes qui travaillent autour de la migration, des réflexions. Donc ça permet d'éclairer, pouvoir échanger, réfléchir sur les sujets. Il a l'air évident, compte tenu de la situation mondiale dans laquelle nous sommes, compte tenu de la dite crise des réfugiés, compte tenu des migrations, il semblerait que ce soit la guerre qui déclenche l'exil. Non, la guerre n'est pas la seule cause qui déclenche l'exil. L'exil a beaucoup d'autres déterminants que la guerre. Mais il est vrai que les guerres produisent des exils, des exodes, des déplacements de population. Par ailleurs, il y a d'autres raisons de s'exiler, des raisons politiques, des raisons économiques et des raisons psychiques aussi. La psychanalyse, c'est d'abord une pratique de la cure analytique, c'est-à-dire une discipline de la parole et de l'interprétation, différentes formes d'interprétation. Donc, ce qui fait notre matière de travail, c'est ce que disent les sujets de leur vie, d'eux-mêmes, de leurs souffrances, de leurs difficultés, de leurs symptômes. Et effectivement, on a de ce point de vue-là un observatoire sur ce que sont les exils. Et naturellement, on est obligé de le mettre au pluriel parce que il n'y a pas deux expériences d'exil similaires. La psychanalyse a, depuis sa naissance et son évolution, un lien avec la guerre. Au niveau pratique, la psychanalyse était débutante au moment de la Première Guerre mondiale et elle a été sollicitée devant les catastrophes subjectives qui ont déclenché cette guerre. C'est vrai au niveau épistémique et c'est vrai aussi au niveau éthique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que Freud personnellement a pris position contre un certain nombre de traitements psychiatriques de l'époque qui étaient infligés aux blessés de guerre. Vous le savez, depuis quelques mois, nous sommes confrontés à une terrible crise migratoire. Des centaines de milliers de personnes fuient les persécutions, la violence dans leur pays et viennent chercher refuge en Europe. On est au milieu d'un champ de discours, une multiplicité de discours qui, effectivement, sur des enjeux liés à l'exil, liés à l'arrivée de nouveaux habitants. Et ces discours sont très chargés, et nous, institutions, c'est aussi toute une difficulté de naviguer là au milieu de ces discours et de pouvoir transformer tout ça en une action publique qui est efficace, parce que les institutions publiques sont intimement attachées à des directions politiques qui sont des grands producteurs de discours destinés à l'ensemble des gens. On a l'impression que dans le discours, donc on l'avait vu aussi en France, dans le sud de la France, où il parlait, c'était presque une guerre des chiffres, de savoir est-ce qu'on compte que les premières générations, est-ce qu'on compte les secondes générations. Et selon les chiffres, voilà, on voyait par exemple Genève, voilà, des personnes allaient dire, voilà, c'est 60% de la population est issue de la migration. Par contre, si on prend la population étrangère, on est autour des 40%. Mais on voit bien que l'utilisation de ces chiffres-là, que le discours qui accompagne ces chiffres change complètement les perceptions qu'on peut avoir, mais aussi la manière de mettre en place des politiques publiques. Donc, peut-être tout d'abord que des hommes décident et mènent la plupart du temps les guerres.
et que si lors des guerres classiques des siècles passés, avec leur lot de mercenaires et autres soldats étrangers, les victimes étaient en grande majorité masculines, cela a grandement changé depuis la Seconde Guerre mondiale, les bombardements de masse et autres guerres civiles, politiques, religieuses et ethniques qui se déroulent dans les pays eux-mêmes, où les gens s'entre-déchirent pour des motifs assez futiles, si on y pense, mais aux dégâts terribles. Bon, cela dit, dans ces nouvelles configurations guerrières, ce sont toujours des hommes qui décident de la guerre, mais des femmes et des enfants qui se retrouvent largement pris dans la tourmente.